Aujourd'hui, je vous propose une pomme de terre raclette au four bien gourmande. C'est une pomme de terre que j'ai vide et que je farcis avec des oignons, du poulet et du lard, que je recouvre de fromage et qu'ensuite je fais griller. Bonjour, je m'appelle Cyril Rouquet-Prévost, bienvenue sur ma chaîne. Je te propose ma version de la recette, mais c'est une version différente, n'hésite pas à cliquer sur la petite croix. Je fais cuire mes pommes de terre dans de l'eau bouillante avec une feuille de laurier et du gros sel. Une fois que mes pommes de terre sont cuites, je les ouvre aux deux tiers, je les évide. Dans une poêle, je fais griller mes lardons, je rajoute le poulet, je fais revenir 5 minutes, je rajoute de l'oignon blanc, je fais revenir, et je termine par la crème fraîche. J'assaisonne peu en sel et généreusement en poivre, je laisse mijoter 5 minutes, je farcis généreusement mes pommes de terre avec le mélange lardon, oignon, poulet. Je rajoute une tranche de tomate, quelques rondelles de concombre, je recouvre de fromage à raclette et j'enfourne 15 minutes sous le grill. Pendant que ça cuit, je fais mon topping, je fais griller quelques lardons avec des oignons. Au bout de 15 minutes, je sors mes pommes de terre raclette du four, je rajoute le topping lardon-oignon, un petit peu de cébette et c'est prêt à être dégusté. Regardez comme c'est fondant, c'est orgasmique. Merci d'avoir regardé, si ce contenu vous a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes recettes.